Je suis Catherine Potel, je suis psychomotricienne, psychothérapeute, formée à la relaxation analytique. Depuis une trentaine d'années, je travaille avec des bébés, des enfants, des adolescents, des adultes. Et ma voie thérapeutique principale avec mes patients, c'est le corps vécu, le corps éprouvé, le corps en relation, le corps mis en mots aussi, bien sûr, dans une motricité qui va prendre sens dans le regard et l'écoute de l'autre. J'ai beaucoup écrit, d'abord pour moi, puis pour les autres, et tous mes ouvrages, malgré des thèmes très différents, alors j'ai écrit sur le corps et l'eau, les adolescents et leur corps, les bébés, le métier de psychomotricien, mais tous ces ouvrages ont un objet commun, le corps, les émotions, et surtout le corps comme voie d'accès à la symbolisation et à l'humanité du sujet. Alors pourquoi ce livre ? Quand j'ai eu l'idée de ce livre, j'avais pensé en premier lieu à un travail essentiellement clinique où il serait question de parler non pas de patients, mais d'histoires, presque à l'image d'un livre de contes. Puis des événements dramatiques dans ma vie ont transformé ce projet en urgence. Alors j'ai gardé ma première trame, la clinique, et ai engagé une réflexion approfondie sur ce qui se passe entre le patient qui n'a pas encore les mots pour dire et qu'il dit avec le corps, et le thérapeute qui écoute le corps avec son corps, mais aussi avec sa tête. D'où le titre du contre-transfert corporel. L'écriture a toujours été pour moi l'occasion de transformer mes sensations et mes émotions de thérapeute en pensées, avec pour ambition, très humble, mais quand même l'envie de conceptualiser ce qui fait l'essence même du travail thérapeutique psychocorporel. Ce livre est donc une réflexion sur un terrain quasi inexploré dans la littérature psy, l'objet du travail du thérapeute psychocorporel, c'est-à-dire sa capacité d'accueil, d'écoute et de réception du corps et de la motricité du patient, ça c'est la première des conditions bien sûr, mais aussi et avant tout sa capacité de mise en réflexion de ce qui lui est transmis corporellement, les excitations, les vécus primitifs de tous ordres. Cette mise en réflexion de ce qu'il reçoit dans son propre corps et dans ses émotions va permettre une mise en pensée de ses éprouvés qu'il va travailler en lui comme étant des indices, des échos ou des résonances de ce que vit son patient et qu'il ne peut dire autrement que par l'agitation, les actes qui ne sont pas encore des gestes, tous ces vécus non encore transformés en symbolisation, en code et en communication. Sur la scène thérapeutique, j'allais dire sur la scène traumatique des séances, nous vivons quotidiennement la violence, l'effroi, la mise à mal du processus d'humanisation. Quand les enfants sont si agités, quand les adolescents sont si angoissés, quand les bébés sont si raides, quand il n'y a plus que des actes bruts, déliés de toute possibilité d'expression, quand il n'y a plus que l'hypertonicité pour protéger des effractions possibles, et quand la lutte du patient est une lutte vitale contre un possible effondrement interne. Alors, que se passe-t-il dans le corps du thérapeute ? Comment fait-il pour ne pas céder au chaos et au débordement ? Être au plus près de moi, de ma sensibilité thérapeutique, pour tenter de dégager des axes de travail partageables avec d'autres, eh bien, ça a été l'objet de ce livre. À qui s'adresse-t-il ? Cet ouvrage s'adresse à tous les thérapeutes qui s'intéressent de près ou de loin au processus de liaison entre le corps et la psyché, qu'ils soient psychomotriciens, psychothérapeutes, psychologues, infirmiers, personnel de crèche, médecins, pédopsychiatres. Il s'adresse aussi à tous les étudiants qui choisissent de soigner et qui sont souvent très démunis à notre époque. Actuellement, il faut savoir qu'en psychiatrie et en psychologie, on enseigne les maladies, les troubles, les symptômes, on comportemente, on saucissonne en tranches le sujet humain dans une description parfois un peu déshumanisante et essentiellement évaluatrice. Et ça, c'est quand même un problème. Pour moi, en tout cas. En conclusion, je crois pouvoir dire que mon livre est un livre de résistance.
une résistance à ce que je ressens comme dangereux actuellement, l'instrumentalisation, la déshumanisation du soin thérapeutique, en tout cas les risques. Nous vivons une époque très inquiétante et en tant que thérapeute, ce n'est pas parce que nous soignons des gens dans leur intimité que nous vivons en vase clos. Nos actes engagent notre humanité, je crois qu'il faut faire attention de ne pas la perdre et pour cela, il nous faut rester vigilants.